Le cinéma et le jeu vidéo, c'est à la fois l'histoire d'une grande passion, mais également celle d'un immense problème qu'il y aurait entre les deux, celui du respect et de la fidélité. Car oui, on parle souvent et malheureusement de mauvaises adaptations de jeux vidéo au cinéma. Il n'y a qu'à voir des horreurs comme Hitman, Postal, Doom, résultat difforme d'une commercialisation et d'une réalisation faite à la va-vite. Mais si on cherche bien, c'est souvent dans les jeux qui ne sont pas adaptés d'un film, et dans les films qui ne sont pas adaptés d'un jeu, que l'on trouve les plus grands respects d'un côté ou de l'autre. Cette émission est donc là pour vous montrer qu'il n'y a pas que les jeux indés qui se référencent au cinéma de manière positive, et que ce ne sont pas uniquement les adaptations de jeux vidéo au cinéma qui leur rendent le plus hommage. Bien au contraire. Et aujourd'hui, Julien, on va démontrer que le cinéma hardcore et violent de Nicolas Winding Refn a influencé un studio dans la création d'un jeu très respecté par la communauté des gamers. Tout à fait, Valentin. Car oui, Refn est un auteur à l'esthétisme violent, et son long-métrage le plus connu, Drive, a influencé le studio Devolver Digital pour la création d'un jeu indé assez innovant pour son époque. Je parle bien sûr d'Hotline Miami. Bon. S'il était encore nécessaire de présenter Drive, voilà ce que l'on pourrait en retenir. Drive est un film de Nicolas Winding Refn, sorti en 2011. Il a notamment reçu le prix du jury au Festival de Cannes de la même année. Cette œuvre particulièrement esthétique a intrigué beaucoup de monde, et malgré son statut de film indépendant américain, a réuni beaucoup de personnes autour d'un consensus. Ce film est une réussite totale. Malheureusement, il fut souvent comparé à un enfant terrible de Fast and Furious, ce qui témoigne d'un manque total de respect et d'information envers l'œuvre. Il faut prendre ce film comme une immersion totale dans un univers décalé, et surtout, ultra-violent. Drive, c'est un cinéma brut, un cinéma qui ne prend pas de pincettes pour nous parler de la mort et de la violence gratuite que l'on doit subir pour avancer, qui caractérise le cinéma de Refn, donc on va revenir un petit peu sur lui. Nicolas Winding Refn est un cinéaste d'origine danoise, plus connu pour avoir réalisé notamment la trilogie Pusher, une série de films sur la mafia de l'Est, Bronson, un biopic sur un des plus dangereux prisonniers d'Angleterre, Valhalla Rising, une plongée macabre dans l'univers des Vikings, selon Refn, Drive, donc, et Only God Forgives, dans le même esprit que Drive, mais avec un peu plus de métaphysisme autour de la vengeance d'un jeune homme en plein Bangkok. Le cinéma de Refn est traversé par la violence du monde, et cela se ressent totalement au fil de ses films, et c'est là même que le studio Devolver a puisé son rapport avec la violence, et surtout avec l'ambiance. Et là, je pense qu'on peut rentrer tout de suite dans l'univers du jeu. Hotline Miami est un jeu d'action indépendant américain sorti en 2012, édité par Denaton Games et développé par Devolver Digital. Il nous raconte simplement l'histoire d'un tueur à gages que vous incarnez et qui va devoir accomplir des contrats. En tout cas ça, c'est la surface du jeu et de son gameplay. Car oui, le jeu en dit beaucoup plus long sur la manière dont le récit et les différents personnages sont abordés, et se découpe en plus comme une grande tragédie en 5 actes, incluant son lot de retournements de situation. D'aspect simple et gravitant autour de deux personnages, surnommés par la communauté Jacket et Biker, il apparaît que de nombreuses zones d'ombre persistent même après la fin du premier opus. Nous ne parlerons bien évidemment pas du second, nos experts n'ayant toujours pas réussi à le déchiffrer. En effet, comme Julien le dit si bien, le jeu progresse tout en faisant en sorte que nous soyons obligés de refaire le niveau plusieurs fois, pour gagner en habileté et en rythme, comme dans une sorte de grand ballet macabre et violent. On n'a jamais la sensation de se faire abuser par ce jeu, mais toujours d'avancer comme dans un long couloir, en ouvrant des portes et en découvrant de nouvelles surprises, de nouvelles techniques de jeu, ainsi que de nouvelles armes. Tuer finit par devenir quelque chose de naturel, et impose au joueur de ne plus être vraiment conscient de ses actes, et d'agir parfois à l'instinct, comme le ferait un vrai criminel. Pari réussi donc. Salope! Mais c'est dégueulasse! Je m'en fous du temps que ça prend! Mais... crève! Crève! Mais ça, Julien, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, puisque ce que l'on veut avant tout dire, c'est que Hotline Miami est purement et simplement dans la même veine au niveau de l'univers que Drive. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque c'est un petit peu le principe de l'émission, tu penses pas? Drive et Hotline Miami sont des œuvres qui s'identifient à la violence, à une forme de massacre graphique donc, celui de la mort qui jalonne des récits avant tout faits pour comprendre un personnage et pour illustrer une forme de divergence caractérielle autour de la puissance iconique d'un cadavre laissé sur place. Plus le récit de l'un comme de l'autre avance, plus la violence devient avant tout insoutenable et esthétique. Les combos du jeu relevant d'une danse macabre mais entraînante. Lorsque ce n'est pas le cas, on est subjugué par la fascinante esthétique qui met en avant cette violence, à mi-chemin entre du rétro-nostalgique,
un trip sous LSD avec cette caméra qui a tendance à virer dans tous les sens, que ce soit dans les menus ou dans le niveau de l'hôpital, et un modernisme glaçant qui donne froid dans le dos. Mais évidemment, Julien, il n'y a pas que cela. Bien sûr que non, on se souvient avant tout de Drive pour son ambiance, et Hotline Miami le retranscrit parfaitement à travers ses décors, et surtout, surtout, sa bande-son. Aussi proches l'un de l'autre par un rapport aux années 80 que lointain dans leur démarche graphique, ces deux objets se rejoignent dans cet amour total d'un nostalgique puissant et assumé qui dévore le spectateur et le gamer. Non, 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 si, mais putain, mais tiens, regarde, alors c'est qui crève là? T'es mort. T'es mort. Hey, tu connais ce jeu? Quel jeu? Ça s'appelle Valentin est mort. Oh putain. Tu connais cette nouvelle boisson énergisante? C'est quoi? Tes larmes. Ah. Cette nostalgie, la bande-son de Cliff Martinez pour Drive et le groupe Moon pour Hotline Miami, arrive parfaitement bien à la retranscrire avec des sons planants ou rétro. Cette ambiance, ce sont des décors à mi-chemin entre le miteux et le classieux qui donnent un cachet indéniable à ces deux œuvres, montrant des tueurs ou des personnes reliées à la mafia avancer dans un monde qui les dépasse, mais qu'ils cherchent tout de même à saisir pour mieux en comprendre les mécaniques, par la place du spectateur qui s'identifie au driver ou par la place du joueur qui doit saisir les mécaniques du jeu pour avancer. Bref. En un mot, comme en 45, ces deux œuvres traitent des mêmes sujets. Se jouent dans les mêmes décors et au cœur des mêmes ambiances. Et parlent tous deux de personnages qui cherchent à laisser une marque tout en se cachant dans la masse, que ce soit derrière un volant ou sous le masque d'un tueur à gages. Tu sais qu'au terme échoué, ils ont mis ton nom maintenant. Parce que vraiment, t'es nul à chier. Tu vas mourir. Tu crois que... T'es mort. Tu crois que tu arrives mieux que moi? Vas-y, fais-le. Ok, ok. On va voir ça tout de suite. Regarde. Hop, je redémarre. J'arrive. Je tue le mec là. Je tue le chien. Hop, paf, paf. Je tue les deux mecs. Hop, j'achève. Voilà. Un petit dernier. Et voilà, c'est terminé. Salut. Ainsi, voilà comment une œuvre de cinéma peut influencer une œuvre de jeu vidéo, donnant ainsi lieu à une formidable relation que l'on ne semble plus voir si souvent aujourd'hui. Le jeu vidéo et le cinéma ont tellement à partager. Pourquoi devraient-ils ainsi toujours se regarder avec hauteur, quand ils peuvent apprendre tant l'un de l'autre? On espère avoir réussi à aiguiser votre curiosité. On se retrouvera très vite pour un nouveau numéro, et d'ici là, n'arrivez pas en retard à votre séance. Et n'oubliez pas de sauvegarder. Celui du respect et de la fidélité. Car oui, on parle souvent de commerce... Non, on parle pas du tout de ça. On parle pas du tout de ça. C'est pas ça. Il faut prendre ce film comme un... Comme un film. Comme une immersion totale. Parce qu'il est trop bien. Prendre ce film comme un film, c'est pas le principe. Bah, non. Non. Ah, il faut le prendre comme un toaster, quoi. Moi, je prends comme un papier cul. Et de la violence quotidienne que l'on doit subir... Pff, merde, et de la violence gratuite, pas quotidienne. Bien, Valentin. La violence quotidienne et gratuite que la jeunesse subit tous les jours. De toute façon, les profs, c'est tous ces salopards. Je me suicide avec un cracker. Avec un cracker, c'est bon, j'en ai marre. Il faut plutôt voir ce film comme une plongée dans une immersion. Non, c'est idiot, ça ne veut rien dire. Mais évidemment, Julien, il n'y a pas que cela. Bien sûr que non. On se souvient tous de Drive pour son ambiance. Putain, oui, mais c'est bon. Et pourquoi tu bugs à chaque fois? C'est bon, la phrase. Je pense qu'il y avait un autre mot à chaque fois. En fait. Désolé. Allez, c'est le côté commercialisation et réalisation. Ça m'a tué.